Eh bien le bonjour, ici Fan de Chat pour sa vidéo FAQ. Et oui, je réponds à vos questions dans cette vidéo. Sans plus attendre, place au spectacle. Bien le bonjour, ici Fan de Chat pour son FAQ, comme je vous l'avais... Avant de commencer, laisse-moi t'expliquer ce qui va suivre. Mais vous êtes qui? Vous faites quoi chez moi là? Je comprends pas honnêtement. Je suis la petite voix dans ta tête qui va te guider et te donner le nom des abonnés ainsi que leurs questions. Je suis fatigué, c'est pour ça. Je vais aller me chercher un effet Lego. Je vais m'en faire fondre un. Silence tout de suite, banane, et tu me laisses prendre les choses en main, sinon je me fâche, compris, banane. Non, mais je sais pas qui vous êtes, mais je suis en libre service et je fais ce non, que je... Non, tu n'as pas le choix, sinon je me fâche et tu vas avoir peur. Donc écrase et écoute-moi, espèce de banane pas mûre. Bon, bah, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, madame la voix incarnée? Silence, banane, j'ai dit, merci de te taire. Bien, je vais donc te donner le nom de l'abonné ainsi que sa question. Toi, tu fais ce que je dis et tu écoutes. D'accord. Ah, puisque je n'ai pas le choix de faire cette voix-là qui est complètement horrible, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais te lire les commentaires et tu vas y répondre car tu n'auras pas le choix. Si tu refuses, je vais chanter la chanson que tu n'aimes pas, la Reine des Neiges, alors tu es prêt? Oui, je suis prêt, mais pas ça là, pas ça, tout, mais pas ça! Question 1. Écoute. Abonné Crézon, la voici la question, quel âge as-tu? Donc je suis né le 15 janvier 1990, donc pour ceux qui sont zéro pointé en calcul, j'ai 29 ans, oui, tout à fait. Question 2. Je vous écoute, passons à la deuxième question. Passons à la deuxième. Abonné Grumly, la voici la question, est-ce que tu aimes les caramels puisque ton chat s'appelle Caramel? Évidemment que j'aime le caramel. Et petite anecdote, quand je mange un yaourt au caramel, il y a caramel, justement, pas le yaourt, hein, le rouquin à caramel, qui vient sur mes genoux parce qu'il adore le caramel. Question 3. Gaming, la voici la question, ton premier chat, tu l'as eu quand? C'est tout mignon, mon petit chat. Donc mon premier chat, je l'ai eu quand j'étais tout petit, pas plus haut que ça, la cadure. Et ouais. Mais après, mon premier vrai chat, il s'appelait Lotus. Il était un peu comme l'espèce de nain de jardin, là, qui est mon petit chat aussi. Et petite anecdote, quand on a été le chercher avec ma mère, on connaissait pas trop où c'était. Au lieu de se rendre à la SPA, là où on a été chercher mon chat, on a été à l'abattoir. Donc on se rend à l'accueil, puis on demande, bonjour, vous avez des animaux? Puis la dame, l'accueil, elle fait son boulot. Oui, combien de kilos, madame? Ma mère, elle était, je veux juste un petit chat. Ah non, ici, c'est pas la SPA, c'est la... Vous êtes à l'abattoir, madame. La SPA, c'est en face. Oui, ils sont bizarres. Il y a la SPA qui est là, il y a l'abattoir qui est en face. Je vous fais pas de dessin, hein. Question 4. La petite voix. Abonné Capucine, la voici la question, où est-ce que tu as... Donc, je vais pas donner le village où je suis exactement, mais je vais te donner une approximative. Je suis de Normandie, donc 76. Je suis entre Rouen, 76, et Beauvais. Voilà. Question 5. Et pour la question suivante, madame la voix. Abonné Ryan the Pirate, la voici la question, combien as-tu de chats? Donc, j'en ai... Tu en veux d'autres? Ah, il y en avait deux en une. Ok. Donc, la première question, c'est j'ai deux chats. Vous pouvez d'ailleurs les voir s'afficher en bas à gauche et en bas à droite. Là, vous avez le gros. Là, vous avez le nain de jardin. Donc voilà, ce sont mes deux chats. Et peut-être que plus tard, j'en prendrai un autre. Ça, après, on verra. On ne sait jamais de quoi est fait le futur. Question 6. On peut continuer, madame, je sais pas comment. Abonné Ryan the Pirate. Encore? La voici la question, est-ce que tu as une copine? Donc, la réponse est vite vue. Non, je suis célibataire et pour le moment, j'y reste. Question 7. Continuez, madame, là, qu'elle a où? Je vous appelle comment? Tu peux m'appeler ta déesse. Oui, bien sûr. Et si j'ai pas envie de vous appeler ma déesse, mais que j'ai envie de... Tu n'as pas le choix, sinon je te fais manger des bananes jusqu'à plus faim. Bon, d'accord. On va passer. Madame la déesse, je suis prêt pour la question suivante. Je suis prêt, madame la déesse. Abonné Tim Lama, la voici la question. Vous êtes amis depuis combien de temps avec Starblox et Chacha Gaming? Ah, donc avec Starblox, ça fait dans les 8 ans. 8 ans. Qu'on s'envoie
des roses, en étant gentil, hein, qu'on se casse mutuellement, on est là. Et avec ma petite Chacha Miaou adorée, qui est ma favorite à l'administrateur, ça doit bien faire 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, on forme une belle équipe. Question 8. Passez à la suivante. Abonné Tim Lamala, voici la question des prochains projets sur la chaîne. Mes prochains projets sur la chaîne, bah, c'est de continuer les vidéos avec vous. Et comme je l'ai dit, lorsque j'aurai 1000 abonnés, je ferai une fesque, hein, c'est-à-dire en direct, vous pourrez voir. Là, ma tête. Là, bah, voilà. C'est le projet de la chaîne. Question 9. Prêt. Abonné Tim Lamala, voici la question, pourquoi tu aimes les chats? Pourquoi j'aime les chats? C'est ça. Parce que premièrement, ils sont indépendants, on leur met un distributeur d'eau, un distributeur de croquettes, on est tranquille pour un jour ou deux, on peut laisser les chats un matin, puis partir, revenir dans l'après-midi le lendemain. Deuxièmement, il y a une laitière, on n'a pas besoin de les sortir. Et troisièmement, ils sont pot de colle, ils sont glu, ils sont mignons, ils ronronnent, voilà pourquoi j'aime les chats. Question 10. Et madame la déesse. Abonné, pas de nom d'utilisateur. Et bah rien comme nous. Vidéo, la voici la question, depuis quelle version tu joues à Minecraft? Ah déjà, ton nom d'utilisateur, il est joli. Il est long, il est trop long. Et depuis quand je joue à Minecraft? Enfin, quelle version? C'était la version PS3, après je ne sais plus trop, je crois qu'on avait même pas encore les observeurs là, ceux qui t'observent, là, voilà. Avec leur petit mieux. Et à l'arrière, ils ont... Passons à la suivante. Hein. Question 11. Et bah, hop, continuer l'aventure. Abonné Anna Eva Gorneuf, la voici la question, est-ce que tu as un autre chat? Non, je n'ai pas d'autre chat, à part Caramel, le gros pépère, Ronchon Grincheux et le nain de jardin Litchi. Voilà. Question 12. Prêt, madame la déesse, pour la prochaine question. Abonné le Fortniteur, la voici la question, aimes-tu les chiens? J'aime les chiens, on peut dire ça, je préfère largement les chats. Même si j'aime aussi les chiens, mais voilà, j'aime un peu tous les animaux, on va dire. Mais voilà, j'ai un coup de cœur forcément pour les chats. Un des chiens un peu moins, mais voilà. Je vais pas rejeter non plus un chien quand je vais le voir. Je vais le caresser, je vais faire un petit bisou, mais voilà. C'est pas mon dada, les chiens. Question 13. Continue. Abonné le Fortniteur, la voici la question, combien de jeux as-tu? En jeu, j'en ai un paquet. Il y aurait jamais assez de temps pour toutes les lister. Voilà, enfin, je joue avec ce que je fais en live, les principaux, mais je peux aussi vous réserver quelques surprises en faisant des lives avec des nouveaux jeux de temps en temps. Ce sera à moi de choisir lesquels je veux ou que je veux pas. Question 14. Prêt pour la suivante. Abonné d'Otéflip, la voici la question, vas-tu jouer à Terraria un jour? Donc, j'ai regardé après ton commentaire, l'avoir lu sur des vidéos YouTube et puis tout, c'est pas du tout mon style de jeu, donc... Je ne jouerai pas pour le moment, après peut-être à l'avenir, mais pas pour le moment. Voilà. Question 15. Oh madame, est-ce que c'est possible de faire une pause quand j'ai une petite soif? Déjà, c'est pas madame, mais ma déesse, et ensuite, j'ai pas que cela à faire, alors c'est non. Banane, pas mûre donc, voilà, on passe à la suite. Bon, d'accord, madame la déesse, on passe à la suite. Question suivante, s'il vous plaît. Abonné, je t'aime, fan de Chala, voici la question, est-ce que tu es mariée? Non, je ne suis pas marié et je n'ai jamais été marié et pour le moment, c'est très bien comme ça, voilà. Question 16. T'es prêt, madame la déesse? Abonné Nertox, la voici la question, quel est ton chiffre préféré? Mon chiffre préféré reste le 8, car c'est le chiffre de l'infini. On peut faire un tour dans un sens, dans l'autre, on trouvera jamais la sortie, voilà. Question 17. Je respecte espèce de patate. Ensuite, je suis pas moche mais super bête car je suis ta déesse, compris? Oui madame, j'ai compris, je suis prêt pour la suite. Hein. Abonné Nertox, la voici la question, quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée c'est le noir, car moi j'aime tout ce qui est couleur sombre, c'est joli, ça se marie avec tout. Question 18. La déesse, je suis prêt. Abonné Nertox. Encore? Vas-y, gourmand. Quel est ton youtubeur préféré? Bah, mon youtubeur préféré, ça reste DiabloFit35, avec lequel je fais beaucoup de vidéos et qui m'amène beaucoup de ses abonnés et que je remercie et que je lui fais 1000 bisous. Question 19. À vous, madame la déesse. Abonné Nertox. Elle m'a dit, t'es gourmand. Question, si ta vie était à refaire, que choisirais-tu comme sexe? C'est un peu bizarre comme question, mais bon, je suis bien dans le corps que je suis, hein. Je suis un mec, hein. Je suis content, j'en ai une belle, voilà. Hein. Mais si c'est à refaire, pourquoi pas être...
petite fille, toute timide, toute mimi. Ne regardez pas, nana. On passe à la suite, monsieur. Question 20. Je suis prêt. Abonné Nertox, la voici la question. Est-ce que tu voudras faire des vidéos sur Paladin ou d'autres jeux que Minecraft et lequel? Déjà, Paladin, j'aime pas. J'aime pas le gameplay, j'aime pas. Après, Hulk Minecraft, j'en fais des Monster Hunter World. De Sekiro ou Shekiro, c'est pareil pour moi, c'est du tout toi-même. Et puis voilà, si on n'est pas content, c'est la même chose. C'est aussi, Metro Exodus, plein de jeux, quoi. Plein de jeux variés, il y en aura d'autres sur ma chaîne. Et aussi du Warcraft. Et pour la horde! Ouais! Question 21. La DS, à la suite, s'il vous plaît. Abonné Nertox. Eh, vas-y, gourmand, est-ce que tu feras des rencontres abonnées? Si oui, je me déplacerai jusqu'au Canada. Ah, des rencontres, les abonnés, ça va pas être tout de suite parce que je suis pas encore assez connu, quoi. J'ai quand même quelques petits abonnés, soit. Et plus de 800, c'est déjà énorme pour moi, j'en suis très content. Mais je ferai des rencontres d'abonnés quand j'aurai 10K d'abonnés. Ouais! Mais pas avant! Voilà. Question 22. Prêt pour la... Abonné Nertox, la voici la question après des idées de live. Comme des survies avec des objectifs que tes abonnés te diront au moment des lives. Ça, pourquoi pas, ça pourrait se faire. Je ferai par exemple une fois dans la semaine avec un titre Live survie avec les abonnés. Donnez vos idées. Ça, c'est une très bonne idée que je mettrai en place assez vite d'ailleurs. Voilà. Question 23. Dame la déesse, mais pitié. Peu de Nertox, il est trop gourmand celui-là. Abonné Nertox, la voici la question. Comment as-tu eu l'idée de créer ta chaîne? L'idée de ma chaîne, c'est que j'aime les jeux vidéo. Je veux faire découvrir ma passion de la construction. Assez grosse, assez gourmande. Un peu comme votre ami qui pose que des questions. Mais j'adore répondre à questions. Question 24. Je suis prêt pour la suite. Abonné Zeltrick Daoun, la voici la question. Tu mesures combien? Alors là, en termes de taille, je suis très grand. Je mesure 1m90. Voilà, tout c'est tout. Je suis un géant. Géant. Question 25. Abonné Zeltrick Daoun, la voici la question. C'est quoi ton jeu préféré? J'en ai deux préférés. Monster Hunter World, on me voit assez souvent faire des lives dessus, et Minecraft! Ce pourquoi ma chaîne existe entre eux, car il y a trois fois plus de Minecraft que des autres jeux. Mais voilà, mes deux jeux favoris. Question 26. Alors, la suite, pardon, madame la déesse, c'est mal cadré ma caméra. Voilà, je suis prêt. Abonné Zeltrick Daoun, la voici la question, et pour finir, tu dois dire que je suis le plus beau et le meilleur abonné. Là, il y a un petit souci parce que je t'ai jamais vu et donc je ne pourrai pas répondre à ta... Je suis obligé de te couper la parole car cet abonné se prend pour le roi des bananes car personne n'est plus beau que moi, ta déesse. Donc voilà. Et pour finir, il n'y a pas de chouchou, donc pas de meilleur étoc. En tout cas, je rigole bien de ce com qui est super drôle. Bien, passons à la suite. Je n'ai pas que cela à faire. Bon, t'as ta réponse. Question 27. Il y en a encore plein! Abonné invisible, man, la voici la question. Tu travailles dans quoi? En ce moment, je suis en arrêt, mais sinon, je travaille dans le ménage et la cuisine. Voilà. Donc, je fais de bons petits repas. Zéro surgelé. Très peu sont dans mon congélateur. Voilà. Question 28. La déesse, mais il en reste combien? Et pour finir, voici le meilleur, car c'est la dernière question. Déjà, bon, voici la dernière. Qui c'est qui est le meilleur selon madame, la déesse? Abonné Tugui, voici la question. Tu peux parler arabe? À part dire halouf qui veut dire cochon, non, c'est pas le pain mot arabe. Y'a que halouf que je connaisse. Halouf par-ci, halouf par-là, et handela qui veut dire pardon. Donc voilà. Avant de continuer, je tenais à vous dire remille merci. C'est grâce à vous si j'en suis là. Alors merci, c'est grâce à vous si j'avance. Voilà pour répondre à toutes les questions de mon FAQ. J'espère je que c'est... Je dire merci car j'ai pris du temps pour toi et si tu n'es pas content, c'est pareil. Ben non, j'ai pas content, j'aurais voulu faire différemment, vous avez pas envie d'avoir une petite tête là, donc non, je te dirai pas. Merci, point à la ligne, c'est tout. Eh bien, je chanterai libéré, délivré en boucle. Non, je vais pas voir, non, pitié, non, pas ça, non. Merci, madame la déesse.
Donc, c'était Fun de Chat pour son FAQ. Moi, je vous dis au revoir. Au revoir, les abonnés. Oh, toi, t'es fatigué, ma déesse. Au revoir, les abonnés. Ah, c'est mieux. Allez, salut et à la prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, car... On a pris beaucoup de temps de faire des boutons pour vous faire plaisir. Salut. Et voilà, c'était Fun de Chat pour sa vidéo un peu particulière. J'espère que cette vidéo vous aura bien fait rigoler. Moi, personnellement, j'ai bien rigolé en la faisant. Et voilà, ciao, ciao les abonnés et les autres. Petite info, la musique de fond vient de Fusion. Son commentaire sera épinglé une fois celui-ci mis. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit tour et à lui faire un petit... Coucou, c'est moi. Allez, bisous, bisous. Pas le même... Take the jack, d'humeur maussade. La haine remonte dans l'épine dorsale. Indésiré comme la hausse du chômage. Je vais les traumatiser comme lors d'une prise d'otage. Mon gars demande à les feux chiados dans le gaz. Depuis petit peu je ne fais qu'écrire des phases.